Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo rapide pour vous présenter l'offre Auchan. Et en fait, c'est juste avec énormément de nostalgie que je vous fais cette vidéo. On va se retrouver juste après le générique pour parler de pop qui sont à 7,50€ à Auchan. Alors comme vous le savez, je suis très très fan de Funko Pop. Moi ça fait très longtemps que j'en collectionne, sur ma chaîne YouTube je vous en ai présenté beaucoup. Et ce qu'il faut savoir c'est que avant que j'ouvre ma chaîne YouTube, j'en avais déjà énormément. Pour ceux qui avaient vu ma première vidéo de la chaîne, c'est une vidéo sur ma collection de Funko Pop. Et vous avez vu, j'en avais déjà 200. Et en fait, j'ai commencé donc il y a longtemps, il y a déjà plus de 4 ans maintenant, voire même 5 ans maintenant, parce que j'ai commencé entre 2014 et 2015. On va dire que j'en avais acheté quelques-unes entre 2014 et 2015. Je devais en avoir, on va dire, même pas 6-7. Vraiment, c'était en gros, je décore ma chambre, j'en mettais quelques-unes dans un coin, voilà. Deux personnages que j'aime énormément, comme par exemple Arrowverse, par exemple. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, lors des soldes Auchan, une offre à 7,50€ qui a eu lieu il y a 4 ans, à peu près, en 2015, où en gros, les pop étaient soldées à moins 50%. Ce qui fait que la pop à 15€, 14,99€, revenait à 7,50€ la pop. Même sur internet, on n'en trouve pas à 7,50€ avec les frais de port et tout ce qui s'ensuit. On n'en trouve pas. C'est énorme. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était complètement dingue. Et alors à l'époque, j'avais pété un câble. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais passé de 6 pop, 6-7 pop comme je vous le dis, à 45 pop. Tout ça en même pas un mois. En gros, j'ai fait mes deux Auchan dans mon coin. J'ai ramené du Star Wars, j'ai ramené du Walking Dead, j'ai ramené du Game of Thrones, j'ai ramené du Marvel, du DC. En gros, c'est les trucs qu'il y avait. Le reste, il n'y avait pas. Mais tout ça, il y avait du Dragon Ball aussi. Tout le premier set Dragon Ball, c'est avec le Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, tout ça. Ben, tout ça, 7,50€. Des anciennes pop, ça peut faire rager, je sais, mais toutes les anciennes pop de Walking Dead, comme par exemple Maggie, les zombies, tout ça, c'était à 7,50€. Moi, j'ai Maggie depuis des années. Ma Maggie, je l'ai eu à 7,50€. Comme pop aussi très rare, la pop de Robb Stark, qui en fait kiffer plus d'un. La pop de Hodor, qui en fait kiffer plus d'un. Que je n'ai plus depuis, mais que j'ai eu pendant longtemps. La pop de Geoffrey. Geoffrey, je l'ai eu à 7,50€. Pop qui vaut... Enfin, ces deux pop-là valent de, au moins quasiment 100€ pièce, voire 80€ pièce, on va dire. À l'époque, c'était le tout début des Funko Pop. Ça intéressait personne, d'ailleurs. Ça intéressait tellement personne que Auchan a eu besoin de les brader pour que ça parte. Il y avait le limier, vous imaginez, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le limier à 7,50€, alors qu'aujourd'hui, je sais même pas combien il est, mais je sais pas combien il cote. J'ai eu Sansa à 7,50€, bref, énormément de Funko Pop à 7,50€ dans mon Auchan, mais ils ont vraiment tout bradé. Alors après, la qualité des boîtes était un petit peu, des fois, genre, des fois, ils mettaient des, vous savez, des trucs blancs, là, qui se tirent comme ça, là, et qui se cerclent, voilà, on dit cercler quelque chose, et voilà, il y a un fil comme ça, blanc, qui cercle, voilà. Ça dégommait les boîtes, c'était terrible. Mais en absolu, moi j'avais plutôt de la chance dans mon Auchan et j'en avais plein. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous fais cette longue introduction? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il te fait? Eh bien, c'est que l'offre Auchan est de retour. Et oui, elle est de retour. Elle est revenue. Mais malheureusement, eh bien, l'offre Auchan qui était à l'époque géniale avec du Walking Dead, Game of Thrones, des séries géniales, du Marvel, du DC, des trucs super. Et ben maintenant, dans mon Auchan, vous ne trouvez que du Fortnite, et encore du Fortnite, et du Percy Saint-Germain. Voilà, en gros, il n'y avait que ça. Ce qui veut dire que si vous n'aimez ni Fortnite, ni le Paris Saint-Germain, et ben il n'y a pas grand-chose. Alors, il y avait quelques autres figurines, et j'en ai pris deux, parce que, ben, en fait, l'offre ne marche que si vous prenez deux pop, et ça vous fait donc 15€ les deux. J'en ai trouvé une, miracle, en fait c'est la seule Walking Dead qu'ils ont dans le coin, il s'agit de la pop de Negan, pardon. Je suis très fan de Negan, j'adore Negan, cette pop je l'ai toujours trouvée très très belle, comme ça avec ce côté hyper bloody là sur le visage et tout, elle est vraiment vraiment cool. Et en fait celle-ci, je l'ai pas prise pour ma collection, je l'ai prise pour vous, je vous la ferai gagner soit si on atteint les 2000 abonnés avant Noël, soit à Noël pour Noël si on n'a pas atteint les 2000 abonnés d'ici là.
Je pense pas qu'on aura atteint les 2000 abonnés, on sait jamais. Mais voilà, ce sera l'objet d'un prochain concours. Donc voilà, je fais pas des vidéos, moi. Je veux pas que les gens s'abonnent pour gagner des figurines pop. Je veux juste qu'on s'abonne parce qu'on aime ce que je fais. Mais si je peux vous faire gagner une pop à 7,50€, je vais pas m'en priver. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je suis sûr que ça fera plaisir à quelqu'un. En plus, je les ai arnaqués parce que normalement, ça ne concerne que les pop qui sont à 12,99€ dans le magasin. Celle-ci, vous le voyez en haut, elle est à 14,99€. Et en fait, quand je suis passé en caisse, ça marchait pas. Mais personne ne connaît les Funko Pop. Quand vous passez en caisse, personne ne sait ce qui c'est. Personne ne sait ce que c'est. Et donc, quand je l'ai fait passer, bah, le garçon, il a pas compris. Il est allé voir la pub dans le journal. Et dans le journal, c'est pas précisé. C'est pas précisé le prix. Donc, ce qui veut dire que c'est deux pop, 7,50€. Deux pop classiques. Deux pop classiques comme ça. Je pense pas que ça marcherait sur les big size, etc. Mais de toute façon, il y en a pas dans mon champ. Mais sur toutes les pop, ça marche. Donc, vous pouvez faire ça sur des exclus, etc. Moi, en tout cas, c'est passé. Et donc, j'ai eu mon Negan à 14,99€. Je sais pas pourquoi il était plus cher que les autres, mais je m'en fiche un tout petit peu. J'ai choisi, je vous dis pas, j'ai passé le rayon X, j'ai choisi la pop qui est en meilleur état, parce que je vous cache pas qu'avec tous les gamins qui passent, qui s'amusent avec les boîtes et tout, y a pas mal qui étaient quand même massacrés. Celle-ci est nickel chrome, donc voilà, pour la personne qui va la recevoir, ça sera nickel. Donc je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est pour quelqu'un. Voilà, donc vous le savez, celle-ci, voilà, elle sera pour vous. Et vu qu'il m'en fallait deux, et en fait, j'en ai profité pour compléter une collection qui est à moi, que je n'avais pas finie. Voilà, il m'en manquait juste une. Allez, je me suis dit, pourquoi pas, allez, on finit la collection. Allez, on se lance. Et je vous propose donc la figurine de Man in Black, l'homme en noir, de Lost. Pourquoi je l'ai pris? Pour deux raisons. L'acteur qui l'interprète apparaît aussi dans Sons of Anarchy, et il a une de mes scènes qui m'a fait le plus kiffer de ma vie. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont jamais vu cette scène, mais c'est juste une scène d'un jouissif. Quand vous la voyez, vous avez franchement, c'est limite Noël. Moi, j'adore en tout cas cette scène-là. Et donc, c'est le personnage... en fait, pourquoi je l'avais pas pris? C'est parce que dans Lost, je suis pas très fan de ce personnage. Parce qu'il apparaît très très peu, il est quasiment pas intéressant, il est insignifiant dans l'histoire. Mais je l'ai pris quand même. Voilà, donc c'est une très ancienne pop. Je vais pas vous l'ouvrir, je vais juste vous la montrer de près, parce que franchement, voilà, elle est vraiment très ancienne, et en plus elle est très basique. En plus, voilà, Lost, c'est quand même assez ancien maintenant. La boîte est plutôt en bon état, même si elle est un petit peu rayée, mais c'est pas trop grave. J'ai choisi vraiment le plus joli, hein. Elle est vraiment sympa, moi je trouve celle-ci. Voilà, après c'est l'homme en noir. Si vous êtes fan de Fortnite, allez dans vos champs. Il y a vraiment vraiment du choix dans cette licence. Si vous voulez autre chose, un peu compliqué. Mais ça, il y avait vraiment du choix. Donc franchement, ruez-vous dans vos Micromania, dans vos Auchan, parce que il y a vraiment des affaires à faire. Je sais pas pendant combien de temps l'offre sera disponible, peut-être juste pendant le temps des soldes, donc peut-être pas encore pendant longtemps. Donc franchement, foncez dans vos Micromania, ça vaut le coup d'œil. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce point vous aura plu. Moi, c'est vraiment de la nostalgie, parce que à 7,50€, j'ai vraiment augmenté ma collection vraiment beaucoup. Je suis passé, comme je vous l'ai dit, de 10 pop, de 7 pop à quasiment plus d'une quarantaine. Et ça aide, parce que une pop, c'est tout de suite en France dans les 12, 13, 15 euros. Si vous allez sur internet, sur Amazon, etc., vous en trouvez parfois à 10 euros. Mais ça reste cher. 7,50€, ça peut vraiment vous permettre de démarrer la collection. Si vous êtes fan de certains univers, allez voir dans vos champs s'il en reste encore. Moi, il y en a énormément, surtout si vous êtes fan de Fortnite. Alors là, vous pouvez faire un carnage. Moi, je suis pas fanatique de Fortnite, donc je veux pas des pop de Fortnite. Mais si vous aimez, allez-y, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas le petit concours, hein. C'est pas pour le moment, hein. C'est juste quand on aura atteint les 2000 abonnés ou pour Noël. Donc voilà, mais je vous en parle maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous voulez faire partager la bonne nouvelle à d'autres personnes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Et au fait, n'oubliez pas le Utip qui est dans la description pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui font des dons sur Utip. Vous êtes de plus en plus nombreux à aller sur Utip, à regarder des publicités. Je vous en remercie énormément. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment pour améliorer la qualité de la chaîne, améliorer la qualité vidéo, la qualité son, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, on se retrouve très vite, ciao !